La législative partielle dans la 7e circonscription, J-3, pour 13 candidats et chaque jour un prétendant au poste de député et l'invité du journal. Aujourd'hui, Jean-François Nativel, 46 ans, sans étiquette, enseignant de profession. Il est l'invité du 12-30. Bonjour Jean-François Nativel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. En 2017, vous étiez candidat dans la première circonscription, battu au premier tour avec 6,15% des suffrages exprimés. Un score surprenant pour une première participation. C'est la raison pour laquelle vous vous représentez ? Alors tout d'abord, je tenais à remercier les nombreux bénévoles qui m'aident sur le terrain, ainsi que ceux qui m'ont apporté leur soutien, que ce soit Eric Marcelli qui défend les entrepreneurs, que ce soit Patrick Savatier qui est au chevet des plus démunis, ou que ce soit encore ma suppléante Danielle Faustin qui œuvre dans le social dans la région sud. Donc effectivement, ce score de 6,15%, il m'a surpris moi, mais aussi l'ensemble de la classe politique. C'est-à-dire que l'année dernière, je n'ai pas fait campagne, j'ai mis une candidature juste pour mettre cette thématique de l'océan fermé et de toute l'économie qui touche directement la 7e, qui est elle aussi en berne. Et à ma grande surprise, j'ai eu ce résultat qui surtout, je vous le rappelle, sur la zone littorale, j'ai eu 11 bureaux sur 19 où j'ai fini à la première place. Et ça, c'est un indicateur très fort d'ancrage dans une zone bien précise, et qui me donne toute légitimité cette année pour briller. Pour représenter. Voilà, pour me représenter et pour viser le second tour. Mais pourquoi vous voulez faire de la politique, Jean-François Nativel ? Alors, tout simplement, vous savez, moi, j'ai constaté des décisions. On vivait paisiblement. J'ai grandi en baie de Saint-Paul, après un peu plus sur la zone ouest. Et j'ai vu des décisions politiques qui ont transformé ma vie au quotidien. Et m'y appellent tous les gens, en fait, hein, quels qu'ils soient, parce que moi, les enseignants. Et c'est vrai que m'y essaye toujours inculquer ça, parce qu'il fait partie des valeurs morales et civiques. Si un jour, ça, constate des injustices, il ne faut pas laisser Azote faire. Ce n'est pas parce que quelque chose il tombe comme ça sur Azote qu'il faut accepter comme une fatalité. Non. Ce qu'on peut faire, c'est dénoncer. Et ensuite, quand on a dénoncé pendant 7 ans de façon associative, qu'on a rassemblé, qu'on a des morts derrière, des gens qui ont tout perdu, des centaines d'emplois détruits, eh ben, le cheminement obligé, je m'en rends compte maintenant, c'est un passage en politique. Mais moi, je rentre par la petite porte. Je rentre parce que sur le terrain, des gens m'ont dit « Vas-y, on a besoin de gens comme toi pour nous défendre. » Parce qu'effectivement, nos élus actuellement, ils n'aiment pas la maire et donc ils n'aiment pas la 7e circonscription non plus, puisque c'est le cœur même de notre zone littorale. Donc voilà. Et juste pour ajouter aussi, la légitimité par les urnes, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on faisait des événements, des rassemblements que vous relayez et... On a l'impression que les administrations, les élus, ils se moquaient de nous. Maintenant, depuis que j'ai fait ce score l'année dernière, c'est plus du tout la même chose. On les intéresse et je fais un appel tout de suite aux abstentionnistes. C'est l'occasion de donner une leçon de démocratie. On va parler des abstentionnistes dans quelques instants. Vous partez sans étiquette au combat. Mais parmi les députés élus, vous pensez avoir plus d'affinités avec Nathalie Bassir ou bien Huguette Bello ? Écoutez, c'est un peu compliqué, mais Huguette Bello, c'est une personne que j'apprécie, qui a beaucoup fait pour La Réunion. Je l'ai rencontrée il y a encore 2 mois. C'est quelqu'un qui défend vraiment les Réunionnais. Nathalie Bassir aussi, elle est engagée depuis peu de temps, je la connais moins. Mais voilà, vous savez, je suis bien avec tout le monde, moi. Et puis j'aimerais qu'on parle un petit peu de ma candidature et pas simplement des autres personnes qui ne sont pas sur cette circonscription d'ailleurs. Je vous invite à répondre à cette question d'un internaute de l'info.re, Cathy, qui nous a envoyé cette question. Si vous êtes élu député, que comptez-vous faire pour les personnes âgées et retraitées ? Alors, j'invite Cathy à lire ma profession de foi qui va arriver dans toutes les boîtes aux lettres, normalement à partir d'aujourd'hui. Il y a un programme pour les personnes âgées, notamment s'assurer que la CSG puisse ne pas être augmentée dans les proportions qui étaient prévues, parce que le pouvoir d'achat des retraités est en baisse et on constate énormément de souffrances. Moi, j'ai été sur le terrain, j'ai pu voir des gens qui sont vraiment en difficulté et qui me demandent qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour eux. Je peux vous dire, j'ai fait beaucoup de terrain ces derniers temps. Et il y a vraiment toutes les classes sociales qui sont concernées par mon programme. Et d'ailleurs, je le dis dans ma chanson de campagne, moi, elle est là pour les petits, pour les gros. Je suis là pour La Réunion, pour la 7e, et je suis là devant vous pour être député. Vous, militant de la mer, comment convaincre les agriculteurs de la 7e circonscription de voter pour vous ? Alors, j'ai également un petit passage sur les agriculteurs. Il y a la problématique de l'accession au foncier, il y a la problématique du maintien de la culture canne, mais aussi de la diversification. Donc, on est sur une sorte de... Voilà, une double enjeu. Mais aussi, vous savez, il y a des gens qui peuvent tourner à la dérision le fait que je vienne de la mer. Moi, je suis quelqu'un de déterminé, d'engagé, de rassembleur. C'est ça qui m'amène devant vous aujourd'hui. Et comme me disait
une voisine, comme la bataille pour la mer, les sûrs que m'a gagné bataille pour les autres sujets qui concernent la Réunion. Donc voilà, comment dire, que ce soit, je vous ai cité Patrick Savatier, Éric Marcelli, ou ma suppléante Danielle Faustin, ils n'ont pas de planche derrière eux, ils ne sont pas concernés directement, mais comprennent mon engagement et bien sûr m'apportent leur soutien. Nous sommes allés voir les électeurs de la 7e circonscription. Ils ont une question à vous poser. Je vous invite à l'écouter et à répondre à cette question dans quelques instants. Est-ce qu'on partira à la retraite à 65 ans ou à 70 ans, 75 ans, comme ça s'annonce, quoi. Voilà. Votre réponse. Alors, bah écoutez, moi-même qui commence à avancer dans l'âge, je me pose comme tout le monde la question des retraites et c'est sûr que on a besoin de savoir de quoi va être fait notre avenir. C'est une angoisse des gens qui se retrouvent démunis, qui se retrouvent affaiblis et qui en plus ne savent pas de quoi va être fait leur lendemain. Moi, vous savez, je suis contre la politique actuelle du gouvernement parce qu'effectivement, on a eu des avancées sociales. Il y a certaines qui sont pas forcément bonnes ou qu'il faut recalibrer, repenser, mais il y en a qui sont fondamentales et j'en appelle encore une fois à ce gouvernement, à Monsieur Macron, de ne pas simplement prendre chez les classes les plus défavorisées et encore sur les classes moyennes, avec bientôt ce qui nous attend, la suppression de l'abattement de 30% qui va baisser le pouvoir d'achat de façon généralisée dans cette classe moyenne. Mais j'en appelle aussi à aller voir chez les ultra-riches. Il leur a déroulé le tapis rouge, d'accord, soi-disant pour les maintenir en France, et un an après, voilà, on n'a pas l'impression que ça a eu les effets escomptés, et une fois encore, ils veulent les prendre sur les retraités, et ça c'est inadmissible, et je m'opposerai, je maintiendrai le pouvoir d'achat des retraités. Jean-François Natifel, très rapidement, quelle note donneriez-vous à Thierry Robert pour son mandat? Mais écoutez, moi, comme je vous ai dit, je ne suis pas là pour juger les gens. Monsieur Robert, dans le cadre de la mer, il s'est battu un petit peu, mais après, c'est largement insuffisant. On voit l'état de la 7e circonscription actuellement, voilà, c'est quand même, il y avait des choses à faire, il y avait un engagement plus fort à tenir et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui parce que bien évidemment il faut du renouvellement de la classe politique. Bon là on est sur une dynastie comme je dis, voilà, il y a un moment donné les gens veulent du changement. On a compris, donc pas de note difficile pour vous noter, c'était insuffisant, c'est ce que vous nous disiez. Merci beaucoup, oui. Jean-François Natifel d'avoir accepté. Écoutez, je souhaitais juste aux électeurs de faire le bon choix et comme j'avais parlé aux abstentionnistes, le 23 septembre, si vous voulez pour un vrai changement, votez Jean-François Natifel et je compte sur vous.